Bonjour les gens, c'est Seb Modécoute pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo, j'ai acheté quelque chose sur Vinted, donc on va ouvrir le colis ensemble. Je voulais l'ouvrir avec vous. Donc à savoir que, bon, c'est petit comme vous le voyez. Par contre, ça m'a coûté un peu plus de 30 euros. En fait, l'article m'a coûté 30 euros. Enfin, il y en a deux d'articles. Deux articles m'ont coûté 30 euros. Mais je paye un peu plus avec les frais de port et puis la sécurité sur Vinted. Donc on va ouvrir ça ensemble. D'ouvrir ça avec le cutter. Je sais pas si je vais arriver à l'ouvrir comme ça. Oui, je vais bien galérer. Voilà. Je vais arriver à l'ouvrir. On peut voir. Voilà, j'ai arraché. Ou rien. J'ai juste arraché l'étiquette. Comme ça. Et... Oh. Voilà. On voit ce que ça donne. Je vais l'ouvrir avec vous ensemble. On va l'ouvrir ensemble. Ouais. Ah d'accord, c'est une grande enveloppe pliée en fait. Je vais essayer de mettre un coup de cutter ici. Voilà. On va l'ouvrir. Ben voilà, c'est là. Hop. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Donc en fait, on a la boîte de... Mega Man 2 sur NES. Alors je vous le dis tout de suite, elle est pas en très très bon état. Ah, déjà il manque les languettes. Comme on peut le voir, on manque les languettes. Sur le côté là, il manque un petit bout aussi. Hop là. Sinon elle est bien, elle est complète. Hein. Oh là là. Derrière le dessous il est nickel, hein, il y a juste à refaire. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre mon jeu. Je sais plus où c'est qu'il est celui-là. Donc là moi je l'ai en loose, hein. Il est même deux. Comme ça, je vais pouvoir le mettre dedans. Et il ne manquera plus qu'un notice. Voilà. Alors, je ne sais même plus comment on fait. Comme ça. Voilà. Voilà.
Voilà, il ne reste plus qu'à mettre le jus dedans. Et voilà, le petit Megaman 2 en boîte. On s'en notice. Moi, j'essaie de trouver un étui, puis que je lui fasse une petite cale. En attendant, je vais lui mettre une protection. Donc voilà, donc je vais remettre le Megaman dans sa boîte. Bon là, il y a un petit peu de colle, hein, tant pis. Hop, sinon c'est à l'arrière, ça se verra pas. La boîte qui s'enlève. Et voilà. Voilà. Voilà, petit Megaman 2. Tout de suite avec la Crystal Box, ça rend mieux. Voilà. Franchement, je suis content de mon achat. Bon, c'est vrai que là, un peu abîmé, mais c'est pas très grave. Il manque juste les languettes. Hein. Voilà, tout. Si j'en trouve un meilleur en boîte, je garderai l'autre et puis je mettrai celui-là. La vente, hein. Mais en attendant, je suis bien content de l'avoir quand même dans la collection. Donc voilà. Donc ensuite, il y en a une autre, hein. Vous vous doutez bien. L'autre est un peu en meilleur état. Voilà. Et l'autre, c'est Chip 'n Dale Rescue Rangers. Donc celle-là, on peut voir qu'elle est un peu en meilleur état. Voilà. On peut voir qu'il y a les deux languettes au moins. Bon là il y a un chiffre d'écrit. En dessous c'est pareil, elle a toutes ces languettes. Voilà. Donc voilà, c'est pareil, on va la faire et puis la faire et la mettre en Crystal Box. Je sais pas ce qu'il a, mais elle tient pas très bien celle-là. Je vais peut-être essayer de faire le contraire, je sais pas. Non, le contraire, c'est pas possible. Donc voilà, c'est tout. Je vais laisser comme ça. Hop. Parce que ça détache, oui. C'est pas très grave. Mais... Donc voilà. Ouais, c'est peut-être aussi parce qu'elle n'a pas été montée depuis un bout de temps. Voilà. Je vais toujours la mettre déjà en Crystal Box. Comme ça, le boy tient gros. Hop, voilà.
Voilà. Casse-couille, ça. J'ai fait pour ça. Enlever maintenant. Oula, c'est chiant ça. Je sais pas pourquoi, mais il veut pas tenir. Voilà, c'est. Enfin. Poussé bien au fond, voilà. On sait tout, je vais prendre le jeu. Voilà, donc moi j'avais fait la boîte. Donc vous voyez, c'est vraiment pas la même qualité. Hein. Non? Après, elle est à peu près identique hein, par le code barre là. Forcément, c'est pas le même de l'autre côté. Je vais remettre le jeu dedans. Ah bah celui-là c'est bien parce qu'il y a ça. Pochette Nintendo Joe. Et en plus j'avais fabriqué une cale. Il manque juste la notice. De toute façon je crois que cette boîte-là je la fous en l'air. Allô? Je sais pas si je vais arriver à avoir la note là, laquelle. Sans trop abîmer là. De toute façon, c'est la poubelle. Allez, vas-y. Voilà. Hop, on va mettre la cale au fond. Le jeu. Hop, on va refermer. J'ai mis le jeu dedans. Ça c'est chiant, ouais, je trouve quelque chose pour le mettre bien. Ça va pas se venir. Je vais te le refermer. Voilà. Comme ça, on a le jeu. Nickel. Donc voilà, donc pour 30 euros, plus les frais d'envoi, tout ça, j'ai eu la boîte de Mega Man 2 et Chip and Dale sur NES. Donc je suis vraiment content. Ça c'est deux jeux de mon enfance. Deux jeux que j'avais quand j'étais gamin.
Donc, bien content de les retrouver. Bon, c'est pas encore complet, hein, il manque les notices sur les deux. Mais bon, c'est pas très grave. Du moment qu'il y a le jeu, et puis au moins les images. Toutes les images derrière, hein. Ça rappelle des souvenirs. Donc voilà. Deux petits jeunesses en boîte, de plus en boîte dans la collection. Megaman 2 et Shippendals. Donc voilà, donc si vous avez aimé cette petite ouverture de colis, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas fait, et d'activer la cloche pour recevoir mes vidéos en notification. Voilà, ben merci, puis à la prochaine. Donc là, ce dimanche-là, il y a des brocantes, hein, il y en a trop grosses. Donc, je sais pas si on va trouver quelque chose, parce qu'il y aura du monde à mon avis, mais bon. On y sera quand même. Et je dois retendre de. Ouais, j'ai racheté 2-3 trucs à mon copain qu'on a été filmé chez lui là. Et puis sur Vinted, j'ai racheté 2-3 trucs, je crois. Donc, ouais, deux jeux que j'ai rachetés. Un jeu Game Boy Advance et un jeu PS4. Donc, on verra ça dans une prochaine vidéo. Voilà. Allez. Au revoir.